Allô, j'espère que vous allez bien. Je prends ma musique. Sinon, on va se faire chicaner par YouTube. Arrête de chanter. What's going on? Fait qu'on a Charlou avec nous autres, puis il relaxe dans le truck, il commence à s'habituer, c'est le fun. Là, on s'en va au terrain. On commence à plus dire le terrain, mais dire on s'en va à la shop. André est vraiment content. Ça développe. Aujourd'hui, j'avais mis une story. On est dimanche, c'est Pâques. J'avais mis une story. J'ai expliqué que j'ai fait une crise d'anxiété. Fait que vous pouvez voir par l'enflux de ma face. Mais là, on dirait que je me sens un petit peu mieux. Ça me fait du bien sortir de la raison. Ok, c'est ça, on voulait aller voir la shop. Il y a encore juste un mur. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez. Donc demain, ça va se continuer. Mais là, tantôt, André a dit amener un scissor lift. Parce que, tu sais, c'est comme pas mal haut, là. Fait que c'est ça, ça sera plus simple, les charpentiers. Fait que ça. C'est sur les fils là, le premier mur est monté, le stock est là. Ah, j'avais pas de lisse, fait que j'ai pris la corde à linge qu'on a acheté justement pour y faire une lisse. C'est ça, on va arriver à quelque chose. Le plancher commence à dégeler. Ça va monter vite, là. Ça va avoir l'air de chier pas là. Je pense que les trusses arrivent mercredi. C'est-tu mercredi? Ouais. Mercredi ou jeudi. Mercredi ou jeudi, les trusses arrivent. Là, c'est ça. On a attaché ça sur un autre job. Puis là, on va ramener ça ici avec un autre de ces jobs. Fait que ça va les aider pas mal parce que c'est très haut. C'est 16 pieds, là, tu sais, comme c'est des 2 par 6 de 16 pieds de haut. Plus la fondation, plus l'épaisseur du 2 par 4 qui est là, puis les 2 par 4 qui sont en haut. Là, fait que, ça fait comme un 17 pieds quelque part. Puis là, ben, il y a des braces. Parce qu'il y avait juste un mur, hein, pas que ça s'envole. Il y a vanté à maudit. Il y a encore tout là! Yeah! Fait que là, André a mis du gaz dedans, il va le tester. Il start. C'est beau. Toutes les cheveux d'en face. Ça fait du bien prendre de l'air. Je me sens mieux, là. Carlos, c'est sa première fois qu'il vient par terre sur le terrain. Ah. Oui! C'est un grand, grand terrain, là. On a comme loin, 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 loin en arrière. C'est tout à nous autres. Par là. Par là. C'est comme un gros terrain, loin, loin, loin. Puis ça se rend jusqu'à la France. Fait que ça nous fait... Je sais pas comment il y a de... d'or. Je pense comme 13. 13 heures? Je sais pas. Là, avec start, il s'attend à le tester. Sinon, il va le réparer. Si vous savez, André, c'est un mécanique, soudeur, jack of all trades. Il est en train de tester tout ça pour assurer que la gang qui arrive demain est bon avec le scissor lift. Ça fait un petit peu de bruit. Yep! C'est vraiment excitant, c'est le fun. Contente. Ça va tellement comme cleaner la couche chez nous aussi, là. Parce que là, tu sais, toute son entreprise est chez nous, là, tu sais. Puis, ouais, peut-être que je vais faire un peu de mécanique. Ouais, c'est ça. Que ça va faire du bien. Il n'y aura plus de truck qui vient débarquer du fer chez nous, là, tu sais. Ça va cleaner ma cour, puis elle va être beaucoup moins boiteuse, puisque présentement, là, c'est bad.
comme il y a de la vase, là, comme big time, une place où est-ce que André passe tout le temps, puis que dans le fond, ça devrait être comme d'eau pavée qui serait là, mais là, on n'a plus besoin, parce que, c'est ça, il va être super. Il est tellement tranquille, il est assis, puis il me gardait, genre, dit, « Qu'est-ce que tu as fait, Jaou? Tu te bouges. Le papier, là, va bouger, comme. Qu'est-ce que c'est ça? C'est où, ben? Création, moi aussi, va avoir sa propre shop, mais pas cette année. C'est sûr, moi, j'embarquerai pas là-dedans. André a tellement pas le vertige. L'épicerie, on est rendu lundi là. Fait que je fais l'épicerie rapidement parce que ma chum s'en vient chez nous, c'est avec ses enfants. Puis j'arrive pour starter mon Jeep et il starte pas. C'est là, j'attendrai. Charlou braille assis, peu importe. Là. Mais c'est ça, je vais vous faire montrer mes petits achats. Donc, je suis allée au Ardennes, ensuite, je suis allée au Giant Tiger, puis ensuite, je suis allée au Marshalls. Je vais donner tout de suite la traite à Charlou. Donc, ben, la traite, le nouveau jouet à Charlou. Fait que je vais vous faire montrer qu'est-ce que c'est. Là. Ça dit que c'est un rond de bois, je sais pas. Mais c'est ça, ça comme mime ça, j'imagine. Là, je sais pas. Je vais lui donner ça. Charlo! Ici! Charlo! Eh, viens-y! Viens voir qu'est-ce que maman t'a acheté. Allô, Charlo! Oh, tu es beau, mon petit poupée. Tu sais, maman t'a acheté un jouet. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je sais pas c'est quoi. Je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu fais quand tu rentres dans la maison? Je sais pas c'est quoi. Lundi, il va se faire couper le poisson et il fasse bien pitié. Il entend un chien dehors. Il aime pas ça. Aïe. On peut pas voir ses yeux, ses tanins, ses verres, ses expressions qu'on demande. Là, il trippe pas en tout. C'est correct. Bon, fait que je vais laisser jouer. Je vais laisser aller explorer qu'est-ce qui se passe là-bas. Tiens. Bon, fait que là, Charlot, vous s'amusez avec ça. Ça se peut que vous entendiez, il y a le chien jappé dehors. Il y a le chien du voisin qui jappe tout le temps, c'est réussi. Fait que c'est ça. Je vais faire montrer ça comme pas mal random. Là, je suis dans le sac où est-ce que c'est les choses du Giant Tiger. Donc, j'adore les pyjamas du Giant Tiger, fait que je m'en ai... Il n'y avait pas grand choix, par exemple, fait que je m'en ai acheté un qui est comme genre pêche, homard, etc.
C'est la pêche aux morts commence dans pas longtemps. Les pêcheurs ont commencé à placer leur bateau à l'eau. C'est ça, c'est juste un petit pyjama, t-shirt. Puis c'est ça, on dirait plus un pyjama de gars qu'un pyjama de fille, mais c'est bien fait. Fait que je m'ai acheté ça. Je m'ai acheté aussi des bobettes au Marshalls. Ensuite, je me suis acheté quelque chose de super trop intéressant. Mais j'ai pogné des leggings qui étaient 13$ ou Giant Tiger. Ils sont comme un petit peu plus épaisses. Puis. C'est ceux-là. C'était 13$. Ça dit Yoga Leggings. Fait que j'en ai pris une paire comme ça. Ensuite, j'ai vu ça comme. C'était 8$. Ok. Comme un petit jogging pyjama, on dirait. J'étais comme, hey, ça c'est perfect pour la maison, travailler. C'est des bas de pyjama, je pense. Fait que j'en ai pris un. Noir, puis un, cette espèce de couleur jaune. Charlotte, okay, c'est ça. C'est fait. Ensuite, là, je me suis pris plein de leggings juste comme ça. Celui-là, ils étaient 10$. Puis ceux-ci sont un petit peu plus courts, je pense que c'est comme 7/8 de long. Ensuite, une paire comme tantôt, avec l'élastique large. Ensuite, une autre paire comme ça, puis une autre paire comme ça. Fait que ça va faire 4 paires de... Un, deux, trois. 4 paires avec la grande élastique autour. Mais ceux-ci ne sont pas pareils. Les autres, c'est 13$ puis les autres, c'est 10. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, 2 paires qui étaient comme pyjama jogging. Puis une paire de petit peu plus. C'est ça. Mon pyjama. Ensuite, je m'ai acheté 2 paquets. Je trouve tellement c'est le fun comme au Marshall, genre. Il y a tout le temps des paquets de bobettes. J'achète ça. Je trouve ça parfait quand même quand c'est ta semaine, on dirait. Tu vas faire comme des bobettes plus sport. C'est ça. Je me suis acheté des petits bas. J'ai acheté un paquet de Tabello à moitié prix. J'ai pris ceux-là. Je m'achète tout le temps des bas, genre. Donc, eux autres, ils ont des petites marguerites comme ça. Puis j'avais vu, je pense, Mylène, mais c'est pas sûr que c'était les mêmes couleurs, me semble, qu'elle avait une paire de blanc dans le paquet. Mais je suis pas certaine, mais en tout cas, c'est juste, ça me faisait penser comme au Val, les beer canes que j'ai faites avec des marguerites, là. En tout cas, ça me faisait penser à ça. Puis j'en ai pris un autre paquet qui est des blancs. Avec des happy face, beige et des bruns. Ensuite, j'ai changé mon case de cellulaire. Fait que je vais vous montrer ça. J'ai ramassé une bouteille d'eau quand j'étais au Marshalls parce que je mourais de soif. Fait que là, vous avez compris, on est rendu dans le Harden. Donc, dans le Harden, je me suis pris des espèces de grands t-shirts. C'est pas un t-shirt, mais c'est comme un... T-shirt, jaquette, je dirais. Bon, c'est comme une petite jaquette. Comme ça. Ensuite, on a pris une autre qui est. Puis là, j'ai pris blanc, je fais comme tais-toi à travers. Parce que je l'ai porté comme pour dormir, là. Mais peut-être que je l'avais porté avec un petit salon quand même. Charlotte, il est fou! Oui, il est fou! Fait que celui-là, il est trop beau! Ensuite, j'ai pris un paquet de pyjamas comme un paquet emballé que je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Mais je pensais pas que j'allais m'en pogner au Giant Tiger, fait que comment je vais au moins m'en ramasser un. Ok, fait que le t-shirt c'est Morning Sunshine et c'est court. Calique. Oups, c'est comme court. Mais
j'ai pris X large. So. Ça va quand même être cool pour moi, Abedin. Ah, j'ai couragé ça. J'ai vraiment comme pris beaucoup de poids du ventre, là. Vous savez, c'est que j'aime pas ça. Fait que ça, ça vient avec un bas de pyjama comme ça. Puis j'étais comme, oh my god, il est... Fait que je l'ai pris. Je l'ai différent. Ouais, c'est ça, c'est comme un petit peu bleu. Ça va être le t-shirt ou tu peux porter la paire de shorts. Tu sais. Je trouve que c'est cute. Des petits parasols. Ensuite, la pièce de résistance. J'ai vu ça, j'ai pas pu résister, fait que je l'ai acheté. Une petite chemise. Genre, mettre par-dessus. Mais elle est vraiment mince, là, mais comme elle va être perfect. Puis cet été, checker ça. Est-ce qu'on peut voir? C'est genre. Je l'aime trop! Ça n'a pas rapport avec mon genre mauve. Mais ouais, ça, j'ai pris ça au Apple. J'ai pris un large. Et je vais vous la faire montrer le plus proche. Hein. Regardez, elle est comme un petit corduroy, on dirait. Mais c'est comme super mou et doux, genre. C'est pas en tout comme du corduroy. Regardez en dedans comment c'est fait. C'est vraiment mou et doux. Puis c'était 34,90. Là, fait que je vais fermer le vlog. Mon petit oeil aime se jouer puis il fait du bruit. Oui! Fait que c'est ça, je vais aller jouer avec Charlot puis je vais ramasser ça. Et puis j'allais aussi aller faire des lavages parce qu'il faut vraiment choisir des lavages. Et j'ai pas encore soupé, il est 6h45. On est quelle journée, Charlot, qu'on est? On est le 11. Aujourd'hui, Charlot a 4 mois officiellement. Ça fait le 11 décembre. Donc, 4 mois pour le mettre Charlot. Je vais voir demain comment il pèse, mais il doit peser comme 16 livres sortants. Parce que la semaine passée, je l'ai pesé et il pesait 14 points quelques, je pense. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai hâte de voir comment il va peser. Mais c'est sûr qu'il pèse 15 livres de fête, là, pour sûr. Oh, du gros, du doux. Oui. Ça fait que c'est ça. 4 mois, il jappe pas. Il est comme pas sonore. Il est pas vocal beaucoup encore. Il est beaucoup mordilleux encore, mais ça s'améliore. Il est fou, il est partout. Il est drôle. Il est content. Ouais. Il est content. Lundi, il va se faire laver, à groomer. J'ai hâte de voir comment il va faire ça. Et ouais, je vais. C'est ça, qu'est-ce d'autre qu'il fait? Il donne la patte, tu sais, comme toutes ces choses-là, aux pieds. Il commence comme à connaître pas mal ça. Il cogne, il sonne la cloche. Des fois, il pèse le bouton. Mais c'est ça. Tu sais, comme là, je serais dû pour comme continuer à le trainer, à faire des petits trucs pis ça, là, pour qu'il... pas qu'il les oublie. Sinon, c'est ça, il fait pas mal de ses pipis, ses caca dehors, mais ça arrive encore que si je le surveille pas ou si sa porte est pas ouverte, qu'il va faire maison, là, ça arrive encore. Ça sent encore le pipi, tu sais, dans la maison. Puis là, hier, j'étais comme, ah, en vrai, ça sent. Puis là, finalement, j'ai trouvé que son lit, ils sont tout puits. Faut là, j'ai envoyé ça dans la laveuse tantôt. Puis je vais aller mettre dans la sécheuse pour qu'il puisse l'avoir. Mais c'est ça, son petit lit est déjà rendu très petit, mais il est vraiment grand, là. Fait que c'est ça. Il y a comme deux lits, là. Son petit rouge est comme pas mal... il est pas mal magané, là, tu sais. Oh! Voilà! Vas-y! Tu files pas! Vas-y! Tu vois, il est smart, là. Il est vraiment... Puis il marche bien. Aujourd'hui, je l'ai apporté avec Sparky, le chien à ma maman, là, pour aller marcher. Puis c'est ça, il était comme plus excité parce que là, Sparky était là. Mais sinon, comme il marche à côté de moi, il est vraiment, il écoute quand même, mais il connaît pas comme moi. Il connaît pas encore la cour. Puis ça, faut vraiment que je me concentre là-dessus. Parce que comme il pourrait décoller dans le chemin, là, il n'y a aucune idée. Et là, tu vois, il y a 4 mois, il ne comprend pas encore le nom. Ça, il y a comme. Ah, j'ai compris! Qu'est-ce que tu fais là? Fait que, ouais, c'est ça.
Il comprend pas encore les noms. On dirait qu'il commence peut-être comme à comprendre des petites choses, mais quand même comme Sparky, comme jappe après, puis comme pour qu'il arrête de qu'il s'enlève de sa face, puis il est quand même comme, on dirait qu'on comprend pas, il continue à jouer, il est comme youhou! Et il a pas encore la compréhension, là, tu sais, vraiment encore puppy, même s'il est grand, là, tu sais. Puis c'est ça, à 4 mois, ils disent de doubler le poids pour savoir que ça devrait donner à peu près comment il va être à sa 16 adulte. Ça fait que là, il est comme 15 livres, mettons. Ça fait qu'il devrait être 30 adultes, qu'est-ce que c'est, à suivre. Hey, c'est ça, sur ce, je vous laisse. Si jamais je pense à d'autres choses, ben, je le dirai dans un autre vlog. C'est juste que j'aime garder comme une petite partie pour mes souvenirs à moi, là, pour me souvenir de ces petites choses-là. Ben, je pense que je vais comme peut-être me faire comme un petit cahier pour écrire des petites choses avant que j'oublie. C'est comme pas un livre de naissance, là, mais genre comme un petit cahier à lui, là, tu sais. Parce que. Fait que c'est ça. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir été là. Moi, n'est pas mon grand maudit t-shirt. J'étais pas mal chill aujourd'hui. Puis c'est ça. Fait qu'on se rejase. Probablement que je pourrais pas vlogger pour le restant de la semaine. Parce que là, j'ai comme un rendez-vous avec Charlot. Moi, j'ai un rendez-vous. Fait que c'est ça. Puis je sais pas comment ça va y aller, là, tu sais. Fait que croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît, parce que cette semaine, j'avais pour un rendez-vous, je vais savoir des résultats, qu'est-ce que j'ai à mon dos. Fait que croisez les doigts avec moi, que c'est pas grand-chose. Mais c'est ça, envoyez-moi des ondes positives. C'est ça, vous penserez à moi. C'est ça, je sais pas vraiment si je vais comme partager exactement qu'est-ce que c'est, là. Mais c'est ça. Bon, Charlot s'en va avec mes enfants! Ça veut dire que c'est temps que j'ai fini le vlog. Fait que c'est ça, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci d'être toujours là. Puis je sais, tu sais, comme que je fais pas des vlogs comme. Tu sais, je sais, là, il y en a, c'est comme ils font tous les mercredis, tous les samedis ou tous les. Tu sais, mais comme. Moi, tu sais, des fois, je fais comme 3-4 vlogs en ligne. Tu sais, on dirait, je veux comme. Je sais pas comment je dirais ça. Vous me direz aussi qu'est-ce que vous en pensez, mais. Quand est-ce que j'ai beaucoup de temps puis que ça me tente de vlogger, ben je vlog. Mais ben, c'est sûr que comme quand est-ce que genre je disparais, on dirait, ben là c'est comme plate pour vous autres. Parce que je sais que parce que moi je trouve ça plate quand est-ce que le monde fait ça, genre, mais ben, comme moi je le fais. Mais après ça, tu sais, là, oh, tu d'un coup, tu sais, là, ça va mieux ou ça va. Tu sais, j'ai plus de temps, puis là, j'en mets plein. T'sais, au lieu de comme tu dis comme ah ben moi c'est juste les mercredis, ça veut dire que même si c'est du stock. De cette semaine, ben comme je le mettre mercredi prochain, puis là si je vlog de nouveau, ben j'aurai le mercredi d'après ou quoi, comme on dirait, tu sais, c'est comme si que je vais m'empêcher de vlogger, je vais pas m'empêcher, mais c'est vrai que je pourrais comme genre faire une journée précise, puis si qu'il y en a plus, il y en a plus en bonus, mais c'est difficile avec mon horaire, tu sais, de comme gager, tu sais, des fois là, je peux travailler jusqu'à 2-3 heures du matin, tu sais. Puis après ça, ben, tu sais, j'ai moins d'ouvrage, je travaille moins, puis, tu sais, c'est comme vraiment difficile. Il a volé un de mes napperons. Ça, c'est pas trop. Mais on dirait, j'ai pas envie, puis là, tu sais, je sais que ça va être l'été, puis ça va être plus comme go with the flow, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais. Mais je disparais jamais comme pour disparaître, tu sais, je vais pas disparaître un mois. Sinon, je suis toujours sur Instagram, puis venez me jaser, et dire, hey, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, je suis toujours là, puis c'est ça, vous faites jaser en dessous de mes vidéos pareil, là. Fait que c'est ça, si j'apparais pas, c'est juste parce que j'ai pas le temps. J'aimerais ça avoir le temps tout le temps, mais c'est ça, je sais que, tu sais, des fois, c'est aussi de planifier du temps, tu sais, puis le faire, mais en vrai, je veux pas que c'est comme pas naturel, je veux pas comme me forcer à vlogger pour vlogger quelque chose, pour que ça arrive, pour, mettons, je sais pas, moi, j'aurais choisi le mercredi, là, tu sais. Ou on dirait, je sais pas. Parce que juste ça reste comme le plus naturel possible, mais comme je sais que, tu sais, ça peut être naturel aussi en le faisant comme ça. C'est juste que tu publies ce temps-là. Ça te donne comme une petite routine, tu sais. En tout cas, vous savez que. Ah, oh, whatever. Anyways, ok, je sais pas. On se rejase la prochaine fois.